Cet après-midi, on va aller faire un tour avec Dylan. On va prendre du coup l'IAM. Je voulais vous montrer. J'ai monté, bah du coup, ça, je les avais depuis super longtemps. J'ai monté du coup les petits stickers de protège-main que 24X m'a envoyé. Du coup, bah ça va 40 fois mieux. C'est un peu ce qui manquait au final. Je vais aussi recevoir des pièces de chez iRod. Donc voilà, c'est iRod.fr. Si vous êtes curieux, je vous mets les liens ici. Je les ai pas encore reçus, donc on va les monter. Il y aura pas mal de pièces anodisées, des trucs comme ça. Pas mal de petites touches de bleu un petit peu partout, donc ça risque d'être vraiment sympathique. Là maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est choper le bidon qu'il y a là et qu'on aille faire le plein, parce que bah sans essence, la moto elle va pas aller bien loin. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais ça. Pas de preuve. Tout simplement, ça va d'un bouchon, il est comme ça. Bloqué et après bah voilà, tu peux faire un tour. Faut juste rester appuyé là avec la main. D'ailleurs la voiture est ultra sale. Nickel. Ça va? Forme. Tu vois, t'as une raie au milieu. T'arrives en deuxième avec de l'élan. Tu gardes un filet de gaz. Et tu vas voir, tu vas monter au milieu là, entre les deux trous. Tu sais, pas de soucis, c'est impressionnant, mais elle est pas dangereuse et elle est pas compliquée. Tu me suis? Oh merde.
Tu vois, regarde. Ça saute. Tu m'attends en haut s'il faut. Galère, on est en train d'essayer de laver les motos et la machine elle marche pas. Apparemment, faut que tu mettes des billets, mais les billets ça marche pas. La carte elle marche pas, donc là on essaie de magouiller un truc pour que ça fonctionne. Parce que on a fait de la route pour venir ici, on a fait un détour, on allait chercher des sous et au final ça fonctionne pas. En plus, il se met à pleuvoir, super. Que demander de mieux?